A chica! ¡Hola! Chantal ? Oui, c'est Samantha, ça va bien ? Très bien. Dis-moi, je suis en train de faire la liste pour les invités pour Noël. Bon, qu'est-ce que tu fais, dis donc ? Tu viens pas ? Ah bah oui, je viens, moi. Ok, très bien. Du coup, ça fait Chantal en plus. C'est parfait. On est deux. Bon, t'en es où ? Je termine les cadeaux pour moi. Mais si c'est pour toi, t'as plus de surprise ? Ah mais si ! Ah mais pour ça j'ai un truc infaillible. Ça se passe en deux phases. La première, tu finis d'emballer ton cadeau, tu le mets là. Ensuite, tu prends une petite bouteille d'alcool de menthe que tu tiens comme ça. Attention, ça sent fort. Oh ! Ah bah oui. T'es prête ? Et Samantha ? L'alcool de menthe ? Oh ! Un cadeau ! C'est pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est gentil en tout cas. Alors, t'as fini le sapin de Noël ? Bah oui, il est là. Où ça, là, je le vois pas ? Bah là ! C'est quoi ce truc ? Bah c'est le lapin de Noël ! Je t'ai dit le sapin de Noël. Sapin de Noël. Kiki, enlève ton collier. Aïe, aïe, tu fais quoi ? Ben, je fais des paquets pour les mettre sous le sapin. Ah bon ? Oui. Il y a un cadeau pour moi ou pas ? Ah oui, bien sûr. Mais t'as pas le droit de l'ouvrir avant le 25, hein ? D'accord. C'est ça que tu cherches ? Ah oui, c'est ça. Merci. On touche pas avant le 25. J'ai rien fait, hein. Non, c'est bon, hein. J'ai rien fait du tout. Hein. Je vais même pas déballer ton cadeau. Tu déranges. Pardon. Merci. Oh non, oh flûte. Oh, c'est pas. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore ? Devine pas ce qui m'arrive pas. J'ai fini d'emballer les cadeaux et j'ai oublié d'indiquer les noms dessus. Du coup, je sais plus quel paquet et pour qui. C'était pour qui ces cadeaux ? Il y en avait un pour toi, il y en avait un pour le chien et un pour mon neveu. J'ai pas le choix, il faut que je déballe tout. Hein. Ah oui, puis là c'est sûr, là on sait pas à qui sont les cadeaux. Là. Ah non, mais ça c'est. Hein. Chantal, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un collier de perles. Mais comme c'est pas encore le jour d'ouvrir les cadeaux, je les ai laissés dans l'emballage. Ça te plaît alors ? Oh, super. Je vais t'acheter le même. Ce serait bien qu'on ait tous les deux le même. Ouais, non mais moi je suis pas très perle. Gros bisous mon grand, bisous, c'est ça, ciao ciao, bye bye. Chantal, c'était mon petit neveu Julien. Il aimerait bien que je lui écrive la lettre pour le Père Noël. Oh, c'est adorable ça. Oui, je sais. Tu veux pas m'aider à l'aider ? Si tu veux. Oh, ça va. C'est parti. Cher Papa Noël, cette année j'ai été sage comme les autres années. Alors voilà ce que je voudrais.
Une paire de bottes vinyle rose fuchsia taille 37. La petite jupe que j'ai vue chez Coco Chic jeudi dernier. Et enfin, une paire de boucles d'oreilles en forme de cœur argenté. Attends, Samantha, attends. T'es sûre que c'est pour ton petit-neveu, cette lettre? C'est pas pour toi, par hasard? Ah non, attention, il y a mes gardes. Non, il a que 4 ans, il est adorable. En plus, tu sais quoi? Lui et moi, on a exactement les mêmes goûts. Vous savez que pour Noël, Aniska, notre cuisinière, nous a trouvé un traîneau de Père Noël avec des vraies reines. Non, j'y crois pas. Ah si, je suis pas une menteuse, hein. Ah, écoutez, tenez, Chantal la même. Chantal! Oh, oh, les bêtes, stop. Oh, les bêtes, stop. Comment on les arrête? Tirez sur les reines. Tirez sur les reines. Bon, stoppez le traîneau, faut tirer. Stoppez le traîneau. Bon, ça c'est sûr, tirer sur les reines, ça les arrête net, hein. Vivement la galette. Qu'on tire les rois. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Alors ça, c'est un calendrier de l'Avent. Vous connaissez? Non. On ouvre chaque jour une case jusqu'à Noël. Oh. Attention. Ta-da! Chez vous? Oui, c'est ce qui est original. C'est qu'il n'y a que des photos de moi. Ta-da! Ah oui, mais vous êtes... Voilà. T'as un petit peu osé quand même pour un calendrier de l'avant. Et encore, vous avez pas vu le calendrier de l'arrière? Simon! Hey? Vous venez? Oui. Simon! Oui, voilà. Pas comme ça. Comme ça. Ah, là. Voilà. Merci beaucoup, Aniska, pour la voiture. De rien. Ça vous a aidé? Oh, bah oui. Heureusement que j'ai pris votre gros break pour les courses plutôt que la petite voiture de Chantal. Hein. Parce que j'ai quand même pris deux gros sapins. C'est bien. Mais pourquoi deux? Bah, vous savez, quand on perd le contrôle du véhicule, on choisit pas toujours. Hein. Voilà. Ça, c'est pour vous. Et puis... Pensez à commander le reste au Père Noël. Non. Non, pas comme ça. Comme ça. Je vais chercher les tartines. Oh, Randon. Chantal, devine sur qui je suis tombée. Le Père Noël. Bah oui, c'est ça. Exactement! Il était en pleine tournée avec son traîneau! Hé! Hey, et en tournée? Général! Général! Et tiens-toi bien, il a accepté de passer le réveillon avec nous. Ouais. Bon, si monsieur le Père Noël veut bien passer à table. Ouais, mais oh! Je lâche pas mon traîneau, moi, hein! Ah non, faites comme vous voulez! Allez, viens! Allez, viens! Je veux là? Oh, ben bien sûr, attendez! Oh, les rois mages. Ah, je suis là. Oh bah dis donc, vous aviez faim, vous. Oui. Allez, hop, on l'enchaîne. Qu'est-ce que tu fais, là? Alors, les guirlandes à l'ancienne, c'est joli, mais c'est du boulot, hein, pour les faire clignoter. Dis-moi, c'est bien le Père Noël qui est là? Ben oui. Ok. Ho ho ho! Oui, c'est ça, ho ho ho! Alors ça, c'est pour Noël 76, la poupée Charlie. Vous pourriez pas mettre des piles, non? Ben non. Oh! Et ça, c'est pour Noël 77. Là, par contre, il y avait que les piles. C'est mon frère que je te parle. Le Père Noël, là-bas. Ben, c'est Agnieszka, notre cuisinière. Alors, pour Noël 77, je veux bien faire l'impasse. Mais 76, la poupée, tout ça, je peux pas, je suis désolé. Bon, ben, joyeux Noël. Samantha!
Chantal, tada, un cadeau personnalisé. Ouh, celui-là, il devrait te plaire. Oh. Ah ben non, qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant qu'il faut l'ouvrir. Mais c'est pas encore Noël. Oh, si, c'est grave. Allez, vas-y. Oh, t'es vraiment folle, toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est un carnet de chèques. Attends, non, hein. Comme ça, tu peux acheter ce que tu veux. Tu m'oublies pas, hein. Oh, qui c'est? C'est Samantha. Dites, comment c'est, vous êtes un grand voyageur? Je ne sais pas, on le dit. Eh bien, on a pensé à vous faire un cadeau un peu original qui pourrait vous faire plaisir. C'est une collection des sables du monde. Oh, comme c'est gentil. Oh, merci beaucoup, là, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. C'est exotique, ne me dites rien. Oh bah oui, sable de Rio, hein. Ça sent tout le Brésil, on a envie de se faire un café. Sable d'Australie. La chaleur du désert. Le dingo. Oh oui. Sable de Balou. De Balou. 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 C'est où Balou? Ah bah tiens, il est là, Balou. Justement, il est sur le sable. Le sable de sa litière. C'est le sable de Balou. Du sable maison, quoi. À Balou. À Balou. C'est pas que le sable qui est maison. Ça, mais Mowgli, c'est le copain de... Oui, mais non, là, c'est Balou. Balou. Excusez-moi, mais Mowgli, c'est le copain de Balou. Oh, Anda. Tu peux me le tenir? Oui, bien sûr. Ah non, À quoi? Bon, je suis là alors. Excusez-moi, pardon. Simon, vous avez quel âge? 40 ans. Oh, trop vieux. Ademar, vous avez quel âge? 33. Ouais, parfait. C'est vous qui allez faire Jésus-Christ pour la crèche. Ouais, ouais. Chance. Vous êtes vacciné contre le tétanos? Combien j'ai dit? 33. Ouais. On y va? Ouais. Je me mets où? C'est là-bas. Simon, venez nous aider? Mais très volontiers. C'est parti. Simon. Oh. Ah, je crois que le Père Noël s'est trompé. Ah oui, il a mis votre cadeau dans ma botte. Ah. Alors ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour moi. Joyeux Noël, Gontran. Joyeux Noël, Chantal. Oh, un bonnet. En mettez-le. Oh non, je... Si, si, mettez-le, ça me fera plaisir. D'accord. Ah. Voilà. Ah non, non, c'est mieux, c'est une cagoule. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? À demain. Tu vois, ce qui est bien avec le sac, c'est que quand la fête est finie, tu peux le jeter sans en mettre partout. Ah, tu parles du sac à sapin? Ah non, non, pas du tout. Du sac à vin. Tu sais que Gontran est vraiment très sympathique. Comme pour Noël, il n'avait pas beaucoup de sous, il m'a offert un objet à lui. C'est pas vrai? Si. Et puis ça tombe bien, comme il savait que je faisais la collection d'anciennes poupées, oui, il m'en a offert une. Oh! Et elle est où? Ah ben, je vais te montrer. Ah. Alors, il m'a dit, c'est une ancienne poupée. Il suffit juste de lui mettre une rustine et hop, elle est bonne pour le service. Attention. Et voilà, elle est prête. Hello! Et voilà, je te présente Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Regarde, elle a l'air surprise de te voir. Bon, allez, je vais la mettre à la réception pour l'accueil client. Quoi? Ah bah oui, elle a l'air toujours étonnée, elle fera... Oh, bah voilà des clients. Santa. Hey, Chantal, psst, viens. Super. Bon, faut qu'on s'organise. Okay. Moi, je finis la déco, et toi, tu t'occupes des paquets cadeaux, ok? Ok, c'est bien. Allez, et surtout, n'oublie pas l'étiquette sur les paquets pour savoir à qui est le cadeau, hein. Chantal, on va passer au cadeau. Oui, si tu veux. Ok. On va passer à la distribution des cadeaux. Ah. Put, 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 put.
16,99€. Ça c'est pour Adémar. Enfin, je crois. Merci. 27€. Ça c'est pour Gontran. Enfin peut-être, je sais pas. Merci. 37,20€. Aniska. Tu vois là, avec tes étiquettes là, ça m'a pas tellement aidé, hein. Là, oui, là, ça m'aide, là. 1,70€, c'est le petit cadeau à Simon. Voilà, Simon, c'est pour vous. Joyeux Noël. Les tout petits. Eh ben, comme ça, ça fait une moyenne avec ta connerie. Adéma va chercher le fusil. Oups. On n'en peut plus, là. Allez, d'accord, vous pouvez ouvrir vos cadeaux. On mangera plus tranquille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire bon pour un fusil. Bon pour une casserole. Bon pour un pull. Alors voilà, en fait, c'est que... J'ai pas eu le temps de faire des courses pour Noël avec tout ce que j'avais à faire, donc... Et puis vous savez, en plus, Noël, il y a plein de monde, tout ça, oh là là, oh là là. Donc c'est pas grave, on ira les chercher tous ensemble. Demain. Au calme. Bon. On dîne. Pareil, hein. Demain, au calme. Quelqu'un veut un bon pour manger? Tu veux mon pain? J'entends du bruit dans l'arbre, j'épaule, je vise, je tire, paf! C'était mon père! Je le connaissais. Mais vous aviez déjà pris votre mère pour une poule d'eau l'automne dernier. Ah, ben on est chasseurs, on l'est pas. Hein. Ah, Et voici la dinde de Noël. Ah, ben voilà. Je m'en doutais. Vous n'avez pas eu le courage de la tuer. Au fait, on a reculé le moment le plus possible. J'ai mis du sel, du poivre, des petites patates tout autour. Mais j'ai pas pu. Elle pleurait tellement. Quand vous avez essayé de la tuer? Non, non. Quand on l'a fourré au marron. Ça va aller, ma petite Constance. Tout ira bien. En fait, on l'a appelée Constance. Bon, ben... vous n'avez qu'à la mettre 1€ au congélo. Comme ça, on aura des marrons glacés pour le dessert. Thermostat moins 18 degrés. Oui, non, je ne suis pas très dessert, moi. Non, vous mangerez de la moutarde. Buonissimo! Sì,